Tristan Josaphat, je suis originaire du Bénin, plus précisément du Mono Koufo. Et c'est le cœur qui m'a amené vers la musique. D'être dans un milieu vraiment culturel et vraiment traditionnel, surtout authentique, parce que moi j'ai grandi à Porte-Novo et Porte-Novo c'est un peu la source aussi de l'histoire du Bénin. Donc il y a pas mal de mouvements culturels là-bas, tout ce qui englobe les rites, la tradition, et c'est là moi je pense l'essence de notre musique même, et c'est de là que moi je suis parti, donc tout vient de là pour moi. Ça m'a sous ça, la musique traditionnelle, le monde culturel. Actuellement, j'ai bon nombre de projets en cours. Notamment Fétiche Drummer, qui est un tout nouveau projet que j'ai initié. L'objectif général de ce projet, c'est de valoriser et de sauvegarder, quitte à penser à la promotion de nos rythmes endogènes et traditionnels. Ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur parce que moi, je suis béninois et la seule chose que je peux vendre, c'est mon pays. Je ne peux pas vendre un autre pays. Et ce projet, le cœur de ce projet, c'est vraiment de sauvegarder nos rythmes et nos sonorités traditionnelles à long terme. Parce que nous, on a eu du mal à faire des recherches parce qu'il n'y a pas vraiment un lieu où tu peux avoir tous les sons du Bénin, les rythmes du Bénin regroupés, où tu peux aller fouiller dedans. C'est pour qu'il y ait un truc, une sauvegarde, une bibliothèque pour les rythmes et pour les sonorités traditionnelles que ce projet a été initié. Le projet est pour 2014 et le déroulement c'est pour janvier, par la grâce de Dieu. Les attentes sont que les rythmes béninois soient vraiment sur le plan national et international, vraiment bien représentés. Parce que la représentation est très très importante. Quand on parle de représentation, ça part de la base, l'écriture. Et organisation, travailler sur ça, vraiment regrouper les choses. Et moi je pense que c'est le plus difficile à faire. Mais je pense que c'est faisable, c'est pas impossible. Vous savez, la musique, elle est universelle. Juste, il y a
la différence qui s'approche par rapport aux couleurs, aux sonorités. Sinon, pour moi, la musique, elle est universelle. Donc, la musique africaine, bon, ça a son sang, quoi. Ça a son origine, ça a ses mélodies. Et la musique béninoise aussi. Mais juste, tout ce que moi, je pense qu'on doit faire, on doit plus relever le niveau de notre musique pour que ça puisse être de manière très, très professionnelle à l'étape internationale. Parce que moi, je pense que hors du Bénin, la musique du Bénin, on ne l'aperçoit pas comme il faut. Sinon, de façon générale, en Afrique, ça sonne, quoi. La musique, c'est la musique, ça sonne. Il n'y a rien à dire. L'Afrique, c'est la couleur, ça sonne. Selon moi, c'est pas un blocage, c'est un avantage qu'on a, mais qui nous nuit. On a beaucoup de ressources, on a trop de trucs, on a tellement de choses où on ne sait vraiment pas ce qu'on va faire, quoi. On ne sait pas ce qu'on va choisir, on ne sait pas ce qu'on va valoriser, on ne sait pas ce qu'on va promouvoir. Parce que... internationalisation des choses, parce que on doit penser les choses pour vraiment pour le commun des mortels, quoi. On ne doit pas seulement voir les choses pour nous-mêmes. Parce que si on va voir les choses que pour nous-mêmes, on va faire des trucs typiquement béninois, ça ne pourra pas évoluer. Parce que les autres ne sont pas forcément obligés à comprendre ce que tu fais. Mais quand ils se retrouvent dedans, ils retrouvent quand même, ils arrivent à danser, ils arrivent à comprendre ce que tu fais. C'est très important. C'est vraiment important. Et moi, je pense que notre mal, c'est vraiment... C'est tout ce qu'on a, quoi. C'est la grandeur, c'est la valeur qu'on a, c'est toute la richesse qu'on a et qui est mal gérée, quoi. Qui est vraiment mal orientée. Yeah. Sinon, le Bénin, il n'y a rien à dire, il y a de ressources, quoi. Il y a de ressources. C'est pas la musique qui manque ici. Aux artistes, moi, je dis, il faut le sérieux, la franchise, l'amour, l'innovation, l'esprit d'entraide, et il faut être soudé, quoi. Parce que dans la guerre, on ne peut rien faire. Dans la jalousie, on ne peut rien faire. Dans les mécontentements, dans les coups durs, on ne peut rien faire. Parce que déjà, c'est déjà difficile. Donc plus on le rend difficile, et plus il sera difficile. Aux artistes, moi, je demande plus de sérieux, plus de boulot. Parce que le manque de moyens ne doit pas nous arriérer.